J'avoue, ça fait peur. Salut l'équipe, c'est pas trop logique. Je sais pas si vous connaissez ChatGPT, on est sur le bureau directement. C'est une intelligence artificielle qui buzz pas mal en ce moment parce qu'elle te donne des réponses de fou. Et moi je me suis demandé, mais attends, mais est-ce que ChatGPT pourrait pas me conseiller des mangas à découvrir? Bon, le problème c'est que ça va faire de nouveaux mangas à lire, mais par contre c'est un vrai test pour ChatGPT dans le monde du manga. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais lui demander de se comporter comme un libraire spécialisé en manga. Le but, c'est vraiment de lui donner un petit peu des lignes directrices de quel manga j'aimerais bien commencer, des choses que je ne connais pas forcément et que je n'ai pas. Donc déjà, je vais lui indiquer mes séries du moment, à savoir Blue Period, Blue Giant, j'aime beaucoup les séries Blue. Dragon Ball, qui est mon manga préféré. One Piece, qui est le manga que je suis depuis tellement longtemps. One Punch Man, qui est également une série que je suis au jour le jour. On va corser un petit peu les choses en rajoutant Blue Lock, allez, parce que c'est un style un petit peu différent. City Hunter. Et vu que sa base de données s'arrête en 2021, Jikaru in the World, c'est pas la peine. Et Pluto. Allez, et Pluto. Du coup, il me répond que oui, il connaît tous ses mangas. Il m'a fait un petit descriptif de tous ses mangas. Je vous laisserai mettre sur pause à l'écran si vous voulez un petit peu lire ce qu'il m'en dit. Déjà, je trouve que c'est fou parce que bah, il connaît tout, quoi. Il connaît tout. Il sait absolument tout ce que sont ces mangas-là. Donc maintenant, on va lui demander, allez, de me conseiller une série en quoi? En 5. Entre 5 et 10 tomes, collant à mes goûts, tout simplement. Voilà, collant à mes goûts. Donc, malheureusement, il ne sait pas quel manga j'ai déjà. Donc, il y a possibilité qu'il me propose des choses que je connaisse déjà. Alors, malheureusement, il m'a conseillé Death Note et Fullmetal. Alors, Death Note, je crois que c'est en 14 tomes pour l'édition classique. Alors, peut-être l'édition Black est en 9 tomes, peut-être. Donc, à la limite, ça va. Par contre, Fullmetal en 10 tomes. Fullmetal Alchemist, déjà la perfecte, elle est au moins en 13 tomes. Je crois que le en complète, elle est à plus de 20-30 tomes. Donc c'est pas ça, en plus ça me correspond pas parce que j'ai vous êtes déjà ces deux séries. Donc je lui ai demandé autre chose. Je lui ai demandé 5 autres œuvres, 5 autres suggestions sous forme de liste pour voir un petit peu ce qu'il peut me donner. Alors, Attaque des Titans, bah, je connais déjà. My Hero Academia, je connais déjà et je possède. Black Clover, je n'ai pas, mais ce n'est pas du tout en 5-10 tomes. Demon Slayer, je possède. Promise Neverland, on est sur du 20 tomes. Bon, après, ça colle assez à mes goûts parce que bah, j'apprécie toute la sélection, sauf Black Clover que je ne connais pas, que je n'ai pas lu ni vu. Alors, je vais lui dire tout simplement pas mal, mais je les possède déjà. Alors là, ça devient intéressant parce que, bon, Berserk, 40 chapitres. Alors, non, ce sont 40 tomes. 41 même. Nausicaa et la Vallée du Vent. Alors pour moi, Nausicaa et la Vallée du Vent, c'était un Ghibli. Alors je vais me renseigner. Alors effectivement, sur Manga Collect, Nausicaa et la Vallée du Vent est un manga en 7 tomes. Alors je l'ignorais. Est-ce qu'il est assez disponible facilement? Oui. Ah, je me tâte! Ensuite, plutôt, bah, j'ai déjà. D'ailleurs, on n'est pas en 8 tomes, on est. Ah si, on est en 8 tomes. Vagabond, bah, 37 tomes, on n'est pas du tout dans les clous. Et Jojo, Bizarres Aventures, Part 1, Phantom Blood. Alors, Jojo, je connais assez mal la licence, donc je vais vérifier. Et effectivement, Jojo, Bizarres Aventures, Part 1, Phantom Blood, est bien en 5 tomes. Donc, je vais commencer Jojo. Je pensais pas que ça allait arriver un jour. Bah, j'aimerais bien avoir une autre série. Donc, pourquoi pas une série en moins de 5 tomes, voir si l'IA pourrait me répondre à ce niveau-là. Voilà, je lui ai demandé une liste de 10 titres cette fois pour pouvoir avoir un petit peu de choix. Alors, Monster, 18 tomes, ça rentre pas dans les clous. Death Note, c'est les histoires courtes, je crois, donc ça m'intéresse pas. Chainsaw Man, oh, c'est intéressant. Chainsaw Man était en 4 tomes quand l'IA a été faite, enfin, a arrêté d'apprendre. Donc voilà, ça va pas nous intéresser. Parce que Chainsaw Man maintenant c'est 11 tomes. Golden Kamuy, 22 tomes. Berserk of Gluttony. J'ai vérifié, c'est un manga qui est en 2 tomes pour l'instant, mais en 9 tomes au Japon, donc ça coche pas les clous. Les Fleurs du Mal, The Flower of Evil, j'imagine que c'est les Fleurs du Mal, 13 tomes, ça coche pas. The Horror of Dracula, alors j'ai trouvé aucune œuvre qui pourrait correspondre à ce nom, à part Dracula, le One Shot aux éditions Nobinobi. Ça m'a plus l'air d'être le roman adapté, donc ça va pas m'intéresser.
Promenade Neverland, Mama Rose Garden, bah on est sur un spin-off. Good Night Poon Poon, donc Bonnie Poon Poon ou Oyasumi Poon Poon, bah c'est du 13 tomes. Et Zombie Powder, par contre, je ne connais pas. C'est bien une série en 4 tomes, malheureusement, elle est en arrêt de commercialisation. D'ailleurs, si je vois bien l'auteur, c'est Tite Kubo qui est l'auteur de Bleach. Ok, donc là, pour les moins de 5 tomes, malheureusement, on n'a rien qui va nous intéresser. On va peut-être juste enchaîner par une série fleuve, parce que je pense qu'il a peut-être plus de recommandations à me faire là-dessus, ou par un shonen classique, et on va essayer de tenter le shoujo également. Voilà, je vais demander 20 shonen qui ne sont pas One Piece, Naruto ou Bleach, et qui sont sous les moins de 20 tomes, sachant qu'avec les moins de 20 tomes, il a du mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Bon, bah rien de surprenant, Death Note, Full Metal, Attaque des Titans, My Hero, Black Clover, Demon Slayer, The Promised Neverland. Alors il y a des erreurs sur le nom de tome sorti, mais je me demande si c'est pas parce que bah l'intelligence artificielle avait arrêté d'avoir des infos. Naruto Gaiden, bon par contre on n'est pas sur 8 tomes, hein, c'est un seul tome Naruto Gaiden. Rurouni Kenshin, j'imagine que c'est Kenshin le Vagabond. Yamada Kun et The Seven Witches, je connais pas. Berserk, Nanatsu no Taizai. Allez, parce qu'à un moment donné, faut bien faire un choix. Alors Tegumi Bachi les Tarbis, ça me parle pas du tout. Donc déjà, pourquoi pas tenter. Je vais lui demander déjà ce que c'est. Là, je vais vérifier si c'est pas en 20 tomes. Ok, Tegumi Bachi et Letter B, enfin Letter B en français du coup, est bien en 20 tomes en France aux éditions Kana. Ça m'a l'air de parler de facteurs. Ok, je vais lui demander de m'en dire plus. Ok, du coup, au niveau du synopsis, bah, je vous laisserai lire, mais en gros, on est bien sur un facteur dans un monde fantastique, avec une quête de père disparu. On est, au niveau des défauts, on est sur un manque de développement de certains persos, l'intrigue lente parfois, le monde un petit peu confus et complexe, la fin un petit peu pas ouf, et certaines scènes un peu violentes. Donc déjà, je trouve ça ouf que l'IA puisse être aussi douée et précise là-dessus. Et au niveau des qualités, personnages attachants, beau dessin, intrigue captivante, ambiance sombre et poétique, et thème amitié, courage, persévérance bien développé. Ok, bah écoute, tu m'as convaincu, Letter B, je vais acheter. J'espère, je vous dis ça sur le moment, j'espère que c'est pas une série introuvable. On verra bien. Alors, je lui ai demandé du coup 20 shoujo avec leur nombre de tomes. Les plus connus cette fois parce que je ne connais que très peu de shoujo. Je vais regarder ceux qui ont le moins de tomes parce que j'ai pas envie d'acheter une collection avec 43 tomes. Ok, donc j'ai regardé un petit peu Absolute Boyfriend en 6 tomes. J'ai regardé sur Manga Collect un petit peu la traduction, enfin le synopsis et la traduction, parce qu'en français c'est lui ou rien. On est sur une jeune fille qui demande comme cadeau un copain idéal et sort un copain idéal d'une boîte cadeau tout simplement. C'est en 6 tomes, c'est chez Kana Pink, donc du coup le côté shoujo de Kana. C'est disponible sur Amazon, donc forcément ça doit pas être une série qui doit être trop rare. Donc je résume, je vais commencer lui ou rien en shoujo, je vais commencer le shonen Letter B, et en shonen classique je vais commencer Shoujo de Bizarre Aventure Phantom Blood. Donc je vais aller les acheter et je vous tiens au courant. One eternity later. Bon, du coup, je les ai achetés sur Vinted, je les ai reçus et je les ai lus. Et franchement, cette IA me connaît vachement bien. Déjà, normalement, la vidéo, j'ai commencé à la tourner il y a à peu près 2 semaines, 3 semaines. Pourquoi j'ai mis autant de temps pour la sortir? Bah déjà, il fallait que je reçoive les mangas. Et ensuite, Jojo Bizarre Aventure, putain! Alors forcément, je connaissais, hein, c'est un classico-classique. L'animé, apparemment, c'est un banger, etc. Moi, j'avais commencé l'animé, j'avais pas du tout accroché à la première saison. Cette première saison, apparemment saison 3, saison 4, incroyable. J'ai déjà vu certaines personnes même conseiller de commencer par la saison 3 et 4. Moi, je voulais découvrir l'œuvre dans l'ordre. J'ai essayé plusieurs fois l'animé, j'ai pas réussi. Je regarde les mangas, je me dis franchement, c'est pas joli. Donc Jojo, pour moi, c'est une œuvre que j'allais jamais commencer, jamais débuter, jamais lire de ma vie. Voilà, c'est pas grave. Heureusement que cette IA m'a dit de le faire parce que la partie 1, elle est vachement bien. Je me suis pris une claque. Vraiment, j'ai lu, j'ai enchaîné. C'est un manga qui est hyper moderne pour un manga qui est sorti il y a 30 ans, presque 40 ans. Et c'est rafraîchissant,
c'est, je dirais pas que c'est cinématographique, mais c'est épique dans les poses qu'ils prennent, les fameuses Jojo poses. Non, franchement, c'est trop bien. Et je me dis que ça, c'est la saison 1, l'une des pires. La saison 3, la saison 4, la saison 2, forcément. Et même la 5, 6, 7, 8, je sais pas combien il y en a actuellement. Je vais les avoir, c'est sûr. Par contre, les tranches, elles sont moches. Le violet est une de mes couleurs préférées, mais là, c'est pas top. Ensuite, les Tarbis. Le shonen que je ne connaissais pas. Ah, c'est moins bien que Jojo, quand même. On est sur un monde où la nature est un peu, comment on peut appeler ça, hostile. Et on a des facteurs qui doivent poster des colis, des lettres, et du coup, traverser cette nature hostile, qui est infectée d'insectes avec des armures, ce genre de bail. On est sur un héros qui est inspiré par un facteur, justement, un Letterby, qui l'a aidé quand il était petit, et qui veut du coup devenir Letterby lui aussi, du coup, un facteur, qui veut également partir à la recherche de sa mère disparue. C'est un peu classique, par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est l'ambiance. Je sais pas si vous pouvez en mettre des planches à l'écran, sinon, bah, je vous fais découvrir un petit peu ici. Bah forcément, la seule page que je vous mets, elle est blanche. En fait, c'est hyper onirique. On a des planches qui sont teintées de noir. En fait, c'est très noir et blanc. Alors que forcément, tous les mangas sont noir et blanc. Mais là, on sent vraiment le noir et blanc. C'est grandiose. C'est grandiloquent. C'est onirique, comme elle vous le dit. On dirait un petit peu un aspect un peu rêve. On voit qu'il y a un univers à développer. C'est en 20 tomes. Ça m'a pas mis une aussi grosse claque que Jojo, mais c'est sympa. C'est un manga en plus dont personne ne parle. Donc voilà, si ça peut vous intéresser un petit peu. Et enfin, le petit shoujo. Le petit lui ou rien en 6 tomes. Alors oui, la couverture peut sembler un petit peu chelou, mais en gros, c'est l'histoire d'une meuf qui enchaîne les déceptions amoureuses et qui décide de commander un petit ami, en gros, guillemets, une poupée. Et elle reçoit bah, un homme magnifique qui a toutes les qualités du monde. Sauf que bah, faut qu'elle paye, je crois, 300 000 euros pour l'avoir. Elle n'a pas cette somme. Du coup, bah, l'histoire, c'est qu'elle doit rester avec lui pour lui faire apprendre un petit peu comment se comportent les femmes. Bah, c'est pas mal en vrai. Ça, c'est une petite histoire d'amour à l'école. Ça m'a l'air un petit peu classique. C'est du classique dans un thème que je ne connais pas. Donc peut-être que c'est du déjà vu. Mais moi, vu que j'en ai jamais vu, bah, c'est bien. Moi, j'aime bien, j'aime bien. En 6 tomes, c'est une vieille édition où, pour les connaisseurs, les vieux lecteurs, ce petit dos va vous dire quelque chose. Voilà, c'est du cana. Non, franchement, moi j'aime bien. Du coup, j'ai l'intégrale en plus en 6 tomes. Ça m'a coûté, je crois, 7 euros. Enfin, presque 1 euro le tome. Limite, je pourrais le compter dans Rot ou Alexandrie, mais bon, je vais pas le faire. Je suis content d'avoir accroché à mon premier shoujo. En conclusion, même si ChatGPT est un peu en galère pour tout ce qui est nombre de tomes, apprendre un petit peu quels sont les goûts, les mangas que je possède déjà. Bah, les recommandations qu'il m'a fait, Jojo's Bizarre Adventure, lui ou rien, les Tarbi. Mais en tout cas, ça reste bien, c'est pas du dégueulasse, c'est pas du Golden Guy par exemple que j'ai pas apprécié. C'est pas, c'est pas du manga nul qu'il m'a proposé, c'est des choses pertinentes. Et si jamais vous hésitez à vous lancer dans une série ou si vous avez des goûts particuliers, faites un tour sur ChatGPT, on sait jamais, vous pourrez peut-être trouver chaussures à votre pied. En tout cas, l'équipe, c'est tout pour moi. Mettez le petit like si ça vous a plu, le petit commentaire si vous avez quelque chose à dire. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.